Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo découverte d'un jeu que j'ai agréablement découvert du coup sur Steam ce matin, qui est totalement gratuit et disponible pendant 24 heures, car il s'agit d'une bêta technique. Il s'agit du jeu Désintégration, un jeu développé par VA Interactive et édité par Private Division. Donc, pour les développeurs, c'est leur premier jeu. Il s'agit d'un jeu un peu style science-fiction, FPS, stratégie, où vous allez diriger ce gros vaisseau que vous voyez derrière. Vous allez avoir des missiles, tout ça. Et derrière, vous allez diriger des troupes au sol. Donc vous allez leur donner des ordres. Ils vont avoir des spés chacun, des grenades, des trucs comme ça à lancer. Le but, en tout cas, de ce que j'ai essayé pour l'instant en matchmaking, c'est de capturer le point A à B et C, un peu comme comme un mode conquête sur Battlefield ou domination sur Call of Duty. Et le tout en équipe en 4v4, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on va voir ça ensemble. Donc le jeu, pour l'instant, il n'y a que le... J'ai vu que le... Je pense pas qu'il doit y avoir un mode dans la mode campagne, n'est pas encore disponible, mais il y aura un mode solo, totalement solo, qui va sortir. Donc pour l'instant, le jeu est en anglais, j'ai pas vu en français, je crois pas qu'il y ait, en tout cas, j'ai pas regardé, c'est pas grave au pire. Tac, on va s'essayer tout de suite. Donc on va faire un petit tour d'ailleurs, j'ai envie de voir. Donc là, l'apparence, donc là, c'est le logo de je sais pas quoi. La bannière, donc là on retrouve un peu les classiques, hein. Là, des très jolis. Là je l'aime bien, on va prendre celui-là. Les mottes, donc voilà. Oui, j'ai 2500 points là pour l'instant. Bon, je vais pas me focus sur ça. Et c'est ici en apparence, vous pouvez choisir votre. Alors ça c'est super bien. On a un peu le style clown là en Transformer et tout, c'est vachement sympa. Chevalier moderne. Samouraï japonais, un peu le délire. Neon Dreams, donc ça fait un peu comme. Ah, ça fait stylé, ça fait un peu. Genre, c'est futuriste. Là, ça fait un peu les rebelles, tout ça. Et ça, c'est un peu la Mad Max, la post-apocalyptique. Et ça, c'est un peu les basketteurs du futur. Donc, moi, bien sûr, je prends les japonais. Et vous voyez que je peux débloquer des trucs, des couleurs, etc. Les pilotes, pareil. Bon, je préfère l'original, je vais pas dépenser. Ça, c'est des petits trucs qu'on peut ajouter dessus. Pour l'instant, je ne vais pas me focus là-dessus. On va directement se lancer un petit matchmaking. C'est vraiment une vidéo découverte. Donc, ça veut dire que vidéo découverte, c'est vraiment. Il n'y a pas de cut. Je répète le concept. C'est un rush, aucun cut. C'est vraiment pour vous montrer la totalité d'une game de A à Z pour ceux qui veulent se tester. Et donc, ceux qui regardent la vidéo, je vous incite tout de suite à la télécharger. Il fait 3 gigas actuellement. Il y a un tuto qui dure un petit 10 minutes, 15 minutes à faire en anglais. Donc c'est pas très compliqué, il faut bien lire. Il y a toutes les instructions en haut à gauche de votre écran, vous allez voir. Donc là, voici l'arène. J'ai fait qu'une seule partie pour l'instant. Là, c'est la deuxième. Il y a les micros. Je sais pas si on peut couper ça. Maintenant. Voilà. On va essayer comme ça. Je sais pas si ça m'a coupé le son, j'espère pas. Ça l'a bugué à mon avis. Donc là il est en train de nous chercher des joueurs. Bon, il y a un petit bruit de grincement, donc je pense que le son va arriver après. Donc je suis en train de troller ceux qui sont sur le chat parce que apparemment il va quand même faire rejoindre le chat vocal. Attends, peut-être que je peux faire. Voilà, comme ça, peut-être qu'ils m'entendront plus. Non, ils m'entendent toujours. Tant pis pour leur gueule. Alors, du coup, ça y est, on a trouvé les joueurs. Donc, on est en infériorité numérique. On est que 4 contre 5. C'est pas 4 contre 4, c'est 4 contre 5. Ah non, 5, ça y est. Vous voyez un peu, on voit les bannières des joueurs, les logos, etc. Donc, là, il va falloir choisir sa classe. Donc, moi, je choisis, bien sûr, les samouraïs. Donc, vous voyez un peu, il y a des statistiques différentes selon les équipes. Donc, voilà. Ça, c'est mon équipe au sol. En faisant clic droit, vous pouvez leur donner des ordres. Tac. Et nous, on va tout de suite se pointer sur A. Donc, on a déjà un AFK, ce que je vois. On va aller sur A. Donc, moi, j'ai tout bindé. Il faut bien changer ses touches. Changez bien vos touches, hein, surtout. Et essayez de jouer en équipe un maximum. Voilà. J'ai pas mis le son très fort pour pas que. Zone lost. Et là, on est en train de prendre A. On est en train de prendre A. Voilà. Tac.
Okay, je vais changer de missile, moi. Voilà. Allez, on va les prendre par derrière. On va essayer de vous montrer un peu de paix. Voilà, ça tire. Donc là, vous voyez à gauche, c'est mes soldats, là, les trois. Et ils ont chacun des spécifiques cités. Donc j'ai fait 2, clic droit, 3, clic droit. C'est pour lancer des sortes de grenades en fait. Cette sorte de petit là que j'aurais mis dans la gueule. Ah, je suis mort. C'est un peu compliqué. Hein. Je suis à combien de points? Je suis premier, vous voyez, je suis premier avec 1680 points. Je sais pas quand est-ce que je vais respawn. Dans une seconde, voilà. Dans une seconde, je respawn. Et c'est reparti. C'est vachement sympa. Hein. Le concept, ça fait un peu style MOBA. Alors, on va peut-être perdre. Hein, c'est... En fait, on est totalement en train de jouer. Je suis en train de jouer tout seul, ou alors peut-être que je suis pas en train de jouer avec mes mates. On est en train de se faire éclater, mais on est en train de gagner. On a capturé A et C, c'est très malin ce qu'on a fait. En fait, c'est moi qui suis en train de jouer tout seul, clairement. Donc, on va parler de l'aspect graphique. Donc, le jeu est quand même graphiquement très joli, vraiment sympathique. Voilà, on va là-bas. Tac. Ah ouais, faut s'y faire au bouton monter descendre. Voilà, donc là, on voit ça. Là, je descends. Accélération, c'est ça. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, je l'ai détruit. Allez, il m'a pas vu, hein. Clairement, il m'a pas vu. Par contre, l'autre derrière, il m'a vu. Allez, on fuite. Ah. Je vais me faire éclater, ouais, c'était sûr. Je vais me faire éclater. Donc là, ils sont en train de prendre C. Intéressant. En fait, il y a plein de touches, vous voyez, vous allez voir. Il n'y a pas tant que ça, mais il faut combiner le tout. Et du coup, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. C'est pas facile, quoi. Enfin, assez. On va y arriver, on va y arriver. Tac. Allez, là, on va reprendre. Ma A. A, tac. Allez, tac. Tac, tac, tac. On va essayer de le tuer. Allez, vas-y, tue-le. Voilà, mon frère. Après, je fais venir mes troupes ici. Voilà, c'est pas trop mal. Graphiquement, il est joli, hein. Il est pas mal. Il y a les débris par terre et tout, c'est sympa. Voilà, on est en train de prendre B, clairement. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on tienne B, tout simplement. À toi, il y a. J'ai du poteau, mais tiens. Ah merde, il est pas loin. J'ai loupé mon ulti, j'aurais pas dû. Oh bah y'en a qui ont rush kit déjà, regardez. Pas savoir pourquoi, mais c'est pas grave, on s'amuse quand même, c'est le principal. Et si on pouvait faire une petite victoire pour la vidéo, ce serait parfait aussi ça. Donc après je pense que plus tard, donc il y aura plusieurs modes, vous avez pu voir, hein, qui sont pas débloqués encore. Possibilité de changer ça. Oh, ils sont en train de prendre A. C'est les touches, hein. C'est vraiment les touches que j'arrive pas à combiner, mais ça, je sens que ça va aller de mieux en mieux. Donc là, ils sont en train de reprendre le dessus, donc bah, ils ont les 3 points, donc on est carrément violé. Hein. Bon, je pense que c'est pas vraiment un matchmaking. Alors je sais pas si plus tard il va être gratuit, j'ai aucune idée, j'ai aucune info sur ça, j'ai pas vraiment regardé non plus. On va essayer de prendre. On va directement aller. Pour terminer, on va aller faire du PVP. On peut aussi détruire les troupes sur le sol. Hein. J'arrive pas. Encore bon. Ah ouais, compliqué. On est redevenu à 4. On peut changer de team pendant la game. Tac, moi je prends toujours ça, hein, bien sûr. Ouais, de toute façon, ça va être terminé, ça va être la fin.
En tout cas, je conseille, hein. Allez-y, testez-le, je sais pas quand est-ce qu'il va. Vraiment que c'est immobile pour le. Ah putain, ah, les mecs ils sont à 4 ensemble, ils jouent à 4 ensemble, c'est pas trop mal. Petite défaite magnifique. Deuxième défaite, deuxième match, c'est super. En tout cas, ça original dans le concept. Après, à jouer en team, c'est encore mieux. Je pense qu'il y a, il y a du fort potentiel e-sport sur ce truc-là. On va savoir si ça va hyper. J'espère que ça va hyper dans le futur. Et j'espère qu'il y aura une suite. En tout cas, à suivre de très près. Ce petit jeu me paraît vraiment très bien. Une partie overlay. Quoi ça? D'accord, donc on peut regarder. Il y a des défis hein, aussi. Ah oui. Pas mal de petits trucs. Il faut regarder ça attentivement. Et puis au niveau des options, vous pouvez tout modifier, bien sûr. Mais bon, il fait 3 Go pour l'instant, donc il y a moyen de si vous voulez vraiment, si vous avez même une petite connexion, il y a moyen de le tester avant les 24 heures. Donc sur ce, je vous invite à faire un abonnement à ma chaîne, ça veut rien dire, mais abonnez-vous. Pouce bleu, commentaire, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous, c'est très très important. On se dit à la prochaine vidéo pour du Tarkov ou autre chose. Banzai! Yeah.